Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 5 de Pokémon. Et c'est à cet épisode, virgule, que nous allons faire la reine des petits poisons. D'un fond, nous allons faire une séance d'entraînement. C'est parti, les amis. C'est parti, les amis. Avant que cela commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre des commentaires pour le récent et des pouces bleus. Bon bah sur ce, c'est parti. Allez. Allons faire la reine poison, les amis. Faisons une revue de la team déjà. Déjà pour nous avons Matloutre. Il fait ses attaques. Voilà. Charge, puissance, pistolet, coup qui lame. Voilà. Poichillon. Tournegrain. Lucario. L'énergie. On va utiliser Lucario, les amis. Pour ses attaques normales, pour ça. Allons-y. Oh, c'est pas peur là. On va faire jusqu'à 14h15, les amis. Jusqu'à 14h, on va faire aujourd'hui, les amis. Après, je vais devoir sortir. Faisons la reine. C'est parti. C'est Guido. Ta reine est aussi une scène de concert en live. Chantons et son groupe vont s'entendre un peu tard, alors il faudra les affronter les uns après les autres. Au fait, tiens, c'est la maison d'offre de consommation. Tel un bar, quoi, les amis. Ce YouTube reçoit eau fraîche. Ce YouTube a mis l'objet eau fraîche dans la poche médicaments. Commençons le game maintenant, les amis. On n'a pas fini la revue d'équipe, les amis, faisons-le. Continuons. Lucario, Poissuivant, Tournegrain, Matloutre, et l'énergie. Je vous dirai, t'as pas trop XP, non, pas normal, pas trop loin. Donc la reine n'est pas très difficile, les amis. Par contre, si c'était difficile, il faudra plus de points pour ce camp. En parlant de ça, les amis, je crois que c'est un BTS. C'est aussi pour ça que j'ai fait tant que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit travailler à côté de ça, les amis. Combat sur. Faisons le combat sur ce, les amis. Il va taper. Ah. C'est fort au pôle. C'est pas très efficace. On va changer les amis. Encore 27 minutes de l'avion. On va faire éclair. Pas mal. Pas mal les dégâts. Vous voyez les amis, c'est pas mal du tout, non? Pas mal, pas mal, pas mal. Faisons un point sur le sac aussi, les amis. Bon, voici comme ça. Il n'y a pas beaucoup de risques, les amis. C'est pas terrible pour l'XP. Ça, c'est vrai. Intéressant.
peu avant de changer de Pokémon. Pas ça, attaque chiante ça, c'est juste pour la PPV. Et la tornade. Pour ceux qui se demandent encore qui veut vous passer, il est au niveau 21, les amis. Au niveau 18. Je change encore, hein. Je vais prendre le matoutre. Et tout le monde quand même, j'ai pas de type, c'est dommage. Starfan ne va pas être inutile. Pour cette façon, il y a beaucoup de types de design justement. Avec une certaine team, je ne dirai pas de toute façon, ça va vous spoiler l'histoire. On va casser plutôt dans les attaques, les amis. Pas mal, ouais. On va soigner la team, les amis, avant de faire la championne. On va attendre un peu plus après. Là, si on l'a bas, quoi. Allez, on va battre la championne maintenant, les amis. Je vais te twister la tête. Alors, je suis attaqué déjà. Je vais te faire des choses. Ne casse pas mes attaques, les amis. C'est le gars super cancer qui n'en a rien à foutre. Enfin, si je fais rouge, ça fait quoi? Ça fait 2000 de dégâts quand même. J'attaque. Au bout du dé, on change. On va prendre Profusion. Ça va être un peu dur, je pense pas. On a pas fait de changer les amis. Est-ce qu'on n'aura pas mis spé? Oula. Ouf. On va pas s'occuper de lui. On n'a pas encore Pokémon. Heureusement, c'est pas du Nuzlocke, les amis. Coquillame. Il est chiant faire ça. Coquillame. Il est vraiment un peu pistole, les amis. Concert. Il le fait plus ça va échouer. Plus ça tient de chez toi. Tiens vraiment le pépé ce qu'il cherche. Mmh.
Il est assez résistant quand même. Mon Kickstarter. Et voilà, on a gagné les amis. C'est fait. Niveau 18. Voilà. J'ai perdu moi, c'est rock'n'roll. Ça veut dire que t'aurais du talent. Non mais l'autre, comme si j'étais nul à chier. J'ai un peu la haine, mais bon, c'était pas un combat socialement formaté. On a pu se lâcher. Tiens, c'est la preuve que tu m'as twisté la tête. Voilà. Sur YouTube, on sort le patch toxique de Strychna. Ça te fait deux patchs. Tous les Pokémon jusqu'au niveau 30, même ceux que tu auras changé, verront que tu assures t'obéiront. Et puis parce que tu as le rythme dans la peau, tiens. Et sur YouTube, on sort la cité 09 chagrin. Hein. Est-ce qu'on peut la prendre à l'Ocario, les amis? Ça serait superbe. Oh, dommage, on peut pas. Bon, bah, on va attendre du coup. Ah oui, bon, on va te faire ça, les amis. Nous allons soigner nos Pokémon. Et il nous parle là. Tu vas aller au Pokéwood. Ça me rappelle mon rep. Il faut qu'il reprenne la navigation. Ça fait partie d'une certaine partie, d'une partie de l'histoire, les amis. Comme vous avez pu vous remarquer, les amis, une fois qu'on bat toute l'arène, la musique s'arrête. C'est plutôt stylé, je trouve, moi. Ça c'est du code en C++. Tous les jeux sont du code, en fait, les amis, si vous voulez. C'est pas par là. Le centre Pokémon. Pouvez-vous faire soigner votre équipe? Oui, on soigne la team, les amis. Après, nous allons aller au Pokéwood. Je vais vous faire. Ça va avoir entendu, vous êtes en super forme maintenant. A bientôt. Bientôt, on ferme la web. Bonjour. Acheter. Bon. Nul. Et vous la ref. Dites-le moi en commentaire, les amis. L'indice 2016 et l'OM. PSG. De clan rivaux. On a acheté 10. Toujours des choses à vendre, les amis. Ça, on peut pas les vendre. Regardez, les amis. Vous avez vu. Attends, on refuse. Jamais pourquoi Game Freak avait fait ça. C'est vraiment une perte de Poké-Dollars pour les joueurs. Sauf si on s'en sert pas. Sauf si on s'en servait, pourquoi pas, oui. Mais là, non, du coup. On va en Poké-Ou tout de suite, les amis. Je vois pourquoi ne pas lui faire un petit essai. C'est un petit détailleur, j'attends son arrivée d'un moment à l'autre. Tiens, quand on parle du Loupio. Ah, Loupio, le Pokémon électrique. Très drôle la blague. Quand on parle du Loupio. Welcome to Pokémon, nous t'attendons ce soir au Park TV. Laissez-moi te présenter notre boss, monsieur Wood. Hello. Je suis Heywood.
souhaitais te faire ta connaissance. C'est Edward Wood. C'est donc toi, Yusuf, sur YouTube. J'étais justement en train de parler de toi. Pour commencer, je voudrais t'expliquer en détail le fonctionnement du Pokéwood. Mais tu dois d'abord régler quelques petites affaires. Tu veux bien patienter un petit moment? En attendant, je te propose une petite visite guidée. Quelle merveilleuse idée, mon petit. Il faut absolument que je te montre notre joli studio à Sosso Directed. Tu verras, on y rencontre la crème de la crème du cinéma du Nice. Une pensée de surprise, une lichette d'émotion, une louche de passion. C'est la recette du succès. Bon, je réglerai mes petites affaires. À tout à l'heure, mes bichons. C'est notre boss tout craché, ça. Regarde-moi ce petit pas dansant. En sur son route, ce sourire est TV. Et d'abord, expliquer en deux mots ce qu'est le Pokéwood. Le Pokéwood est un lieu qui a été créé avec un seul objectif. Produire et diffuser des films pour le plus grand plaisir des habitants du Nice. Voici le multiplex, c'est ici que nous projetons nos films. Il y a aussi de quoi cuire les fans venus rencontrer leur idole. Là, je tiens encore plus à l'intérieur. Nous y voilà, c'est ici, c'est le guichet. Oh, mais c'est vous, grâce à vous, j'ai pu faire mon grand début d'acteur. C'est vraiment, c'est génial. Je suis bien content pour vous. Et qui c'est cette personne? C'est Sosso YouTube. Quand j'ai vu son combat contre votre fille, je me suis dit que nous devions à tout prix l'inviter ici. Oh, tu as battu Strina, tu dois être un excellent dresseur. Ouais, merci, je sais, je suis le meilleur. Modestie, voyons. Ah, mais au fait, justement, la grand-première de mon film, toi aussi, tu aimerais bien faire carrière Pokéwood, non? Pas trop, non. Oh, m'en fous un peu, mais c'est partie de l'histoire, les amis. Je trouve ça pas mal, une détine en plus. Dans ce cas, tu devras commencer par venir mon film pour voir comment je joue tes amis. Excellente idée, je suis sûr que ça pourrait t'inspirer sur YouTube. En tout cas, allons-y. Yeah, allons-y. Bienvenue à l'accueil du multiplex. L'accueil du multiplex. C'est ici que tu choisis le film que tu peux voir. Il a 8 écrans. C'est vraiment la grande classe. Même mon film est projeté dans une salle à part, ça alors. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des voix que je prends. C'est parti pour le film. Même pas des nations de salle. Mais bon, ça c'est les concepteurs qui ont voulu faire comme ça. Développeur du jeu. Zuman Vess, papa le justicier. Ça parle d'attraction idéale où brillent les sourires des enfants. Mais soudain, mais cette soirée reste à rire de longue jaillit de la lumière car voici notre héros. Son nom c'est Ryo Luman. Commencé par Super Vilain Zuman. Zuman. Go. Et c'est tout. Pour l'attente qui va là, sur une mal, mon petit Zuman, comment tu. Je crois que. Yeah. Par la façon, les gens vivent ici pour un moment de rêve. Moi, les rêves, je les démolis. Une petite forte paume. Voilà, il est KO. En bouche pour l'eau. On va être la soupe des amis. Nos spoilers, bien sûr. Pas mal, Ryo Man. Mais, la super technique est surtout du mal, il va te mettre contre par toi. Ah, Ryo Man, tu es pitoyable, tu n'as pas vu la super technique surtout du mal. C'est fini pour toi, Ryo Man. Et voilà. C'est fini pour toi, Ryo Man. On va pas le voir du cinéma, on est dans le. Oh,
Aïe, on dirait que je n'étais pas fait pour être un héros. Magnifique Zoman a eu raison du pauvre Ouloman, pour son endroit sur croix du car c'est alors son beaucoup. Merci Ouloman, le dieu Ouloman. J'aime pas, je veux pas se taper tout le générique non plus. Voilà. Terminé, j'espère que le film vous a plu. Tout va bien. J'ai toujours fait des jeux dans un film maintenant, mon rêve est exaucé. Que voulez-vous dire? Il y a des choses pour lesquelles on est fait et d'autres non. Je le savais. Mais quand j'ai vu ma fille Monique de France, elle est son champion d'arène et sa carte de musicienne. Tel père, telle fille. Après tout, à quoi bon vivre si on ne relève pas de nouveaux défis? Pour le moment, je veux retourner à mon métier d'origine. Mais un jour, je remonterai sur les planches. D'ici là, à toi de devenir une star. Il est temps d'y aller. Il pense que M. Wood doit être prêt alors qu'il est en route. On part là-bas, les amis. Par ici. Si c'est cela que naissent les filles. Allons-y, Monsieur Wood, à ton intérieur. J'ai pas envie, je m'en fous. On se plaisante. Et boss, voilà sur ce YouTube. Ah, enfin, te voilà, ma petite reine de star. Bon, je me présente encore une fois, monsieur. Mon nom est Edward Wood et je suis propriétaire du Pokéwood. Sur ce YouTube, je suis de venir ici. C'est parce que j'ai quelque chose de très important à te demander. Je suis sûr que tu as déjà compris de quoi il s'agissait. En fait, je voudrais que tu acceptes de jouer dans nos films. Mon recruteur n'a pas arrêté de me rebattre les oreilles en disant que tu avais tout pour devenir une star. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai compris que je ne m'étais pas trompé. Yes, boss. Je suis sûr que tu as une nouvelle super star de Pokéwood. Oh oui, ça crève les yeux. Moi aussi, je meurs d'envie de te voir jouer dans nos films sur YouTube. Je suis sûr que tu as assuré comme une bête. Alors tu es d'accord, n'est-ce pas? En plus, j'ai déjà trouvé un acteur de tout premier choix pour te donner la réplique. Par exemple, mon Pokézo. Le champion d'arène de type glace. Ça sera pour plus tard, les amis, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes l'acteur vedette du Pokéwood, donc très fort d'avoir vu. De vous inscrire de derrière les fagots pour qui mettra pour plus à son expérience de ta jeunesse. Quel magnifique jeu. Quel regard, je suis sûr qu'on fera des grandes choses ensemble. Toujours si cool. Bon, je t'ai dit ça maintenant. Il faut que tu parles au régisseur juste derrière moi pour te lancer. Dans un tournage, tente ta chance et surtout je n'ai pas peur de te tromper, c'est en filmant comme un forgeron, mon petit bichon. Je compte sur toi sur ce YouTube. Fais de ton mieux et ton film sera du ça au multiplex. C'est plutôt en forgeant qu'on devient forgeron, mais pas en filmant. C'est parti. Bienvenue au studio du Pokéwood. Tu veux tourner un film? Tourner un film. Ok, pour l'équipe. Tourner avec une équipe de location. Ok, je vais te prouver une équipe après ce film. C'est parti pour le tournage. Voilà, zoom les amis. Tu te sens bien alors qu'on tourne. Encore 6 minutes les amis. Starzoo entre en scène. Un scalp entendu par Starzoo. Rilou, go. Ah bah c'est le background du tournage les amis. Regardez. Moi j'ai son évolution d'une. Point glace. Merde, tu con. Je me suis trompé d'attaque. Pardon, j'ai raté. On va recommencer. Tourne un film. Tourne avec une petite location. Oh, comme ces amis se trompent. Deuxième prise, les amis.
Colosil versus Humano de sa deuxième prise, quoi. Et le go. Faire forte pour eux. Voilà. Un. Oh, tu as vu ça, c'est une version spéciale ou quoi? Tu as rossé mon Pokémon d'un seul coup. Pas mal, Ryolu Boy. Mais, ma super technique s'occupe du mal. Va te mettre à genoux, prends ça, morveux. Tu rêves. Ah, c'est comme ça. Tiens, ça va, ma super technique s'occupe du mal. Scène 2. Acte 2, scène 2. Point glace. Ce n'est pas très efficace, ce feu de poudre. Je crois que si j'en fais attaquer du combat, il aurait fait aéropique. On aurait perdu. Voilà. Couper, c'est pas trop mal tout ça. Hop, c'est dans la boîte. Merci à tous. Ouais, c'est une faille faire comme ça, les amis. J'avais un peu. C'était un peu de la déconcentration. Et c'était du bon boulot. Tu veux qu'on monte le film pour une diffusion multiplex? Oui. On va devenir une star du cinéma. Pour 4 minutes, les amis. C'est le mode de YouTube. Eh boss, vous avez vu l'heure? Ah oui, oups. Toi sur YouTube, je dois y aller. Et toi, tu devras penser au Netflix pour améliorer ton premier film. Je suis sûr qu'il est très divertissant. Après tout, c'est toi qui as l'affiche. Allez-y, je file. N'oublie pas, sur YouTube, le Pokémon, t'as qu'il y aura toujours un bras ouvert. Sortons de là, les amis. On n'a plus rien à faire ici. On doit aller au. Peut-être aussi les balles. Peut-être qu'il parle là déjà. Peut-être. Je pense à la base, il devait y avoir quelque chose là, mais ça a été retiré par le concepteur. C'est vraiment dommage. Ça aurait été une bonne idée de mettre une belle statue ici. On va voir le film, les amis. Regarde un film. C'est un très bon moment. Mais si un rabot dit devant que j'ai tourné en tant que star. Je suis un génie de la cinématographie. C'est comme Zuman vs Ryolu Boy. Deuxième film. On va commencer par Super Grazuman. Scalpion, Super Grazuman. Ryolu, go. Zuman, allez-y, le Pokémon a tracé ma soupe. Truc par d'attraction. Par d'attraction, je ne suis pour moi, mon monde rêve. Moi, les rêves, je les démolis. Je les utilise forte paume. C'est super efficace, le Scalpion Yuko. Un beau sourire envoyé par Super Vilain Zuman. Ça du parcours. Waouh, tu as vu ça, c'est une chose spéciale. Comment tu as reçu une bouquin d'un seul coup? Pas mal, Ryolu Boy. Mais, un pathétique qui se fait du mal va te mettre à genoux. Prends ça, morveux. Ryolu Boy, tu rêves. Ah, c'est comme ça. Tu fais du mal. C'est une minute qui se fâche. Merde. Voilà, on a gagné, les amis. Tu as gagné pour lui, rentre-moi. Et soit toi, Ryolu Boy, je combat pour avertir les dames, mais je suis le spectre du genre du raid. Oh, je regarde cette voix qu'elle classe. Imagine ce qu'il est vraiment. Moi, je sais ce qu'il est vraiment. Faut qu'on se. Ça peut lui mériter pas son défi. On a dit, voilà, on est star, on adore notre film.
C'est trop cool. Ça, voilà, c'est directeur sur le bateau graphique. Mais c'est ça sur YouTube. J'ai vu ton dernier film, c'est un succès phénoménal. Quand tu es comme ça, le staff et les spectateurs sont de plus en plus fans de toi. Sur ce, à bientôt sur YouTube. J'attends ta prochaine œuvre avec impatience. Bon, faisons la suite. Ça retourne là dès pour ça, les amis. Le dernier truc après non, on va arrêter l'épisode les amis, tout ça va faire trop long. Je sais que vous aimez pas trop les contenus sur ma chaîne, mais un let's play ça se doit d'être long. Bon, attaquons ça. Vous êtes qui, la team plasma? Et oui, la team plasma de retour après 2 ans pour prendre sa revanche. Après avoir été trahi par notre roi, le soi-disant héros, on a échoué dans notre tranquille bénisse, mais nous n'abandonnons jamais. Nous sommes donc de retour avec un vapeur de plus dans notre sac. Vous allez vous la fermer. Bon, sans vouloir être trop, vous faisiez semblant de libérer Pokémon. Je vous disposez la tronche. Je vais être collé, mes amis. Team Plasma Orange, si on se fait construire par Poncho, si on se fait insulter charmant. C'est une bande de victimes. Mes amis, c'est des victimes. Hein. Je suis d'accord avec vous. Team Plasma bas, on n'a qu'à embarquer leur Pokémon. Mesdames et messieurs, quand vous serez prêts, nous pourrons vous administrer votre correction. Quittons vos nouveaux plans là, ils vont partir à la poubelle et à vous avec. Vous faites rigoler lui, les amis. Quand j'en ai fini avec vous, votre boss pourra plus vous reconnaître. C'est parti. Tu crois pouvoir gagner? Oui. Laisse-moi rire tant qu'il vous utilise pour notre conquête du monde. Team Plasma, round 1, les amis. On a la bonne attaque, mes amis. Voilà. C'est super efficace. Plasma, j'ai perdu là. Je vais prendre 160. Et voilà. C'est également de mettre une raclée, je ne m'y attendais pas. Courage, filon. Bande de merde, vous êtes nul. Et voilà. Dis-toi un peu, les sales losers. On split, prenez la route 20. Si on avait perdu, nous aurions embarqué nos Pokémon. Cimer les petits. Tenez pour vous. Sur YouTube, on fait la CS un coup. Tout en si une CS avec coupe dedans, c'est-il même en dehors des combats, ça peut être. Ça fait combien de temps? Allez. On va faire la suite. Après, nous arrêterons là. Nous arrêterons là, les amis. C'est pas la neige, non? Là, il y en a un, voilà. C'est bon, je l'ai trouvé. Vitesse, c'est genre trop loin. T'inquiète pas, j'ai beaucoup de battre. Après, tu vas pouvoir partir. T'as les pensées. Ça crie pas. J'arrive.
fuite, c'est pas leur intransital à ces losers. Mais c'est bon, on sait qu'ils ont un bateau quelque part. Enfin. On va rentrer en sous-marin, après on nous arrêtera, mes amis. On va devoir arrêter les avions, m'appelle. T'étais pas mal dans ton film, tu sais. Tu l'as vu? Et te laisse pas abattre. Allez, laisse les dialogues. Tu les as vus, tu places massif la mal. Bien, je me perçois dans mon métier actuel. Les foules sont dans tout leur état avec le roulis de la curieuse. Bah voilà les amis. Bah voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à mettre des commentaires pour le renseignement et abonnez-vous. À mettre des pouces bleus sur ce Stephen Hour. A plus et bye tout le monde, à la prochaine les amis. C'était Stephen Hour, bye bye.